Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois David Weitzman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois député bruxellois et maire, mais vous êtes aussi conseiller communal et maire à la ville de Bruxelles. On va parler de ce résultat qui vous a certainement déçu, pas votre résultat personnel puisqu'il était plutôt bon, mais celui de la liste, et au point que vous êtes dans l'opposition à la ville de Bruxelles maintenant, alors que vous sortez de plusieurs années de collège. Alors, tout d'abord, la raison de ce mauvais résultat de la liste MR à la ville de Bruxelles. Je pense qu'il y avait différentes raisons. Je pense qu'il y a d'abord, il faut souligner le bon résultat d'Écolo, qui a augmenté de deux conseillers communaux. Le résultat également, malgré les difficultés, toutes les affaires dans lesquelles baignait le PS du Parti Socialiste, qui s'est stabilisé. D'autres qui ont eu quelques échecs également, je pense également à des filles. Et nous, effectivement, on a un petit peu diminué. Mmh. Alors, on a un petit peu diminué dans un contexte un peu particulier, parce qu'on était plusieurs nouveaux, finalement, à essayer de pousser ensemble cette liste. Certains de nos mandataires avaient fait le choix de partir tout simplement pour des raisons personnelles. Donc finalement, on n'était que 7 conseillers sortants. On se retrouve également à 7. C'est pas un exploit, mais c'est pas non plus une catastrophe. Il va falloir évidemment se reconstruire. Je pense qu'on doit travailler également sur le message, expliquer comment positivement on peut présenter une vision. D'après vous, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Une partie peut-être probablement des causes, c'est probablement parce que notre message, je pense qu'on a tout. On a les talents, on a le projet également. On avait un chouette programme. Peut-être que le fait d'expliquer cette vision, ce message, ce programme libéral, urbain, moderne, inspirant, qui doit répondre également à des besoins de citoyens qui habitent dans la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, c'est pas rien, peut-être que ça, on doit travailler encore davantage sur ce message, tant d'ailleurs probablement pour les élections communales prochaines que pour les élections régionales également. Alors justement, pendant ces élections communales, on avait l'impression que c'était pas du tout ce message-là qui passait, et même parfois, certains trouvaient, même au sein du MR, que Alain Courtois allait peut-être trop à droite, droitisé. Je faisais partie de cela, en toute franchise. On a déjà discuté à plusieurs reprises. Alors, je pense qu'il y a eu toute une série d'éléments qui ont fait que ça n'a peut-être pas bien pris. Alain avait décidé d'avoir une stratégie qui était plutôt effectivement de centre-droite. On était quelques-uns à l'intérieur à ne pas toujours percevoir cette stratégie-là, ou en tout cas à ne pas totalement la suivre. Mais c'est la force également d'une liste avec différents candidats, c'est que les candidats puissent également s'exprimer et un peu véhiculer le programme comme ils le souhaitent. Il se fait qu'évidemment la tête de liste est la plus importante. Je regrette effectivement peut-être certains choix, mais c'était aussi une stratégie qui visait, en toute transparence, à faire en sorte qu'on ne soit pas mangé, notamment, par notre droite au niveau de la NVA. Finalement, peut-être qu'on a perdu d'autres types d'électeurs. Bref, toujours est-il qu'on devra mieux expliquer, à mon avis, notre programme dans les prochaines années. En tout cas, vous l'expliquerez sans Alain Courtois, parce qu'il a décidé, lui, d'abandonner la vie communale. Que va devenir la section MR à la ville de Bruxelles? D'abord, c'est Alain Courtois, c'est quand même grâce à lui, il faut le reconnaître, on est rentré dans cette majorité en 2012. C'est vraiment principalement grâce à lui. Vous savez que les majorités, en toute transparence, ça se fait en 2 tours. Il faut gagner les élections, ou en tout cas se stabiliser, et puis il faut évidemment avoir les bons contacts pour faire, en tout cas dans notre système, pour faire des majorités. Et donc Alain a décidé de partir, comme il est arrivé. Je pense qu'il nous a apporté beaucoup de choses ces dernières années, et maintenant on va essayer tous ensemble, on est un peu plus jeunes, ce groupe est plus jeune, de se reconstruire, d'essayer de faire en sorte d'essayer de proposer, donc, comme j'ai dit, une autre vision par rapport à l'axe qui est en train de se dessiner PS et Écolo, également en essayant d'avoir un espèce de shadow government, c'est-à-dire chaque conseiller qui pourrait avoir un échevin face à lui en fonction d'une expertise particulière. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce sera plutôt un projet collectif qu'un projet d'un chef de groupe ou d'un président particulier. Mais ça vous intéresse d'être chef de groupe à la ville de Bruxelles? Bon, je crois qu'on va être plusieurs, et on va en parler d'ailleurs, à mon avis, dans quelques jours, à pouvoir exprimer cette envie de travailler collectivement, peut-être de représenter. Je suis le chef de groupe sortant, et donc oui, effectivement, je crois qu'on est quelques-uns à essayer de réfléchir ensemble, disant quelle sera peut-être la meilleure personne portée par le collectif pour pouvoir avancer dans cette vision. Alors, vous êtes aussi député régional, et la question aussi, c'est de savoir mais qu'est-ce qui va se passer pour les régionales au niveau du MR, parce que s'il y a eu un problème à la ville de Bruxelles, il y a eu un problème dans les 19 communes. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là aussi, il faut laisser la place aux jeunes? Non, mais je ne partage pas cette analyse. Il y a eu un problème, effectivement, au niveau du MR de la ville de Bruxelles, en toute transparence, il faut le dire. On a fait 13%. 13%, c'est pas grand-chose. 13 ou 14. Moi, je pense qu'on peut faire 20, 25%, 30% facilement à la ville de Bruxelles. Mais dans certaines communes, je pense à Molenbeek, ils sont pas loin de 25%. À Ganso, à Anderlecht, ils sont pas loin de 25%. Il y a quand même des bourgmestres qui sont perdus. Il y a des conseillers qui sont perdus. Oui, d'accord, mais les bourgmestres qui sont perdus, c'est le deuxième tour. C'est pas l'élection, c'est pas l'élection directe. Je veux pas minimiser, mais ça n'a pas du tout été un échec partout. Au contraire,
j'ai précisé ces deux communes-là, 25% dans des communes qui ne sont pas quand même des bastions libéraux, c'est pas mal. Si je pouvais faire la même chose dans quelques années à la ville de Bruxelles, je pense qu'on serait particulièrement heureux. Mais donc, effectivement, il y a un challenge et un défi. Le défi, c'est que le groupe va un petit peu se rajeunir probablement dans les prochaines années, tout simplement parce que ce groupe libéral qui est passé de 12 à 18 sièges en 2014, ben, certains vont nous quitter pour des raisons personnelles. Et donc ça, c'est un défi parce qu'il va y avoir également une fuite des cerveaux, une fuite de la connaissance, parce que c'était des députés qui étaient là depuis très longtemps. Le challenge, c'est que ça va probablement, et l'opportunité, ça va probablement permettre à des nouveaux, peut-être à des plus jeunes, de monter, dont d'ailleurs j'ai fait partie il y a quelques temps quand Vincent De Wolf m'a mis premier suppléant sur cette liste. Et vous en avez bénéficié. Et j'en ai effectivement bénéficié. Et je pense qu'on devra travailler tant sur des gens qui ont de l'expertise, je pense à Vincent De Wolf, qui était quand même le deuxième score au niveau régional, que des plus jeunes qui ont quand même bien scoré, qui ont fait de super résultats aux élections communales il y a quelques semaines. Et pour la tête de liste, qui doit être tête de liste? Un jeune, une femme, Vincent De Wolf? Je pense que, en tout cas, je sais que, en toute franchise, je ne vais pas vous répondre parce que j'en sais rien, mais je sais que Vincent De Wolf et Didier Renders sont en train de travailler là-dessus. Vous leur faites confiance? Moi, je leur fais évidemment confiance. Et je leur fais surtout confiance à leur capacité de nous proposer effectivement un candidat ou une procédure, peut-être, pour arriver à un candidat. Et donc, voilà, je pense que ce qui importe, en tout cas, maintenant, c'est de travailler sur la vision. Et également peut-être sur le casting complet de la liste, avant même de penser à sa tête de liste. Est-ce que le MR est encore sexy? On voit qu'il y a pas mal de dissidents du MR qui créent des nouveaux partis citoyens. Ce week-end, on a parlé notamment de Jump. Est-ce que ça ne vous interpelle pas que des jeunes comme vous, qui travaillent dans des cabinets MR, disent « mais moi je crée un autre parti ». Oui, alors il y a dans ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ne créent rien de nouveau, parce qu'ils créent un parti politique, parce qu'ils sont peut-être déçus de certaines choses. Oui. Mais en tout cas, la bonne question, vous avez raison, je ne vais pas l'éluder, est-ce que le MR est assez sexy? Je pense, franchement, je l'ai dit, qu'on a des talents, on a des gens qui ont cette capacité, qui ont des relais dans la société civile, et on a également des bonnes idées. Peut-être qu'au niveau de la communication, pour exprimer effectivement une vision libérale urbaine, je pèse les mots libérale et urbaine, on doit travailler là-dessus. Comment répondre à ces besoins? Et j'insiste, nous sommes la deuxième ville, ville de Bruxelles ou ville-région, parce que la région c'est une ville, nous sommes la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. C'est nouveau, ça fait 10 ou 15 ans. Et donc les besoins, les attentes des citoyens sont différentes. Et donc peut-être effectivement qu'on doit participer à moderniser effectivement une partie de notre discours. Mais je pense que nos solutions, nos réponses sont les bonnes, on doit peut-être les exprimer différemment. Alors, sexy, c'est le bon terme, je pense. Alors là, vous avez peut-être une occasion, c'est parce qu'au Parlement bruxellois, vous voulez soutenir finalement une énième proposition de guichet unique pour les PME. Hein. Donc une simplification administrative pour les PME qui en ont bien besoin. Il y a pourtant déjà des choses sur la table à Bruxelles. Alors je ne sais pas si en toute franchise c'est la solution, en tout cas la proposition la plus sexy qu'on puisse trouver, en tout cas dans le cadre d'une ville cosmopolite, mais il faut aussi revenir sur les béabas, en tout cas des libéraux, qui croient effectivement dans la création, en tout cas, et dans les activités privées. Et donc nous avons ici, à la ville de Bruxelles et en région bruxelloise, une myriade d'aides. Et les aides, elles vont dans plusieurs ordres. Des appels à projets, une aide pour la formation aux entreprises, une aide pour l'internationalisation, plus d'exportation, importation. C'est super important pour que ces professions libérales, ces artisans, ces PME deviennent et grandissent tout simplement, deviennent des grandes entreprises de demain. Mais on a également, malheureusement, une myriade d'acteurs régionaux, Actiris, le port de Bruxelles, Finance Bruxelles, une myriade d'acteurs, une complexification également de ces acteurs, qui d'ailleurs a été souhaitée, c'est un échec du gouvernement bruxellois qui avait annoncé une simplification. Ils n'ont rien simplifié. Vincent De Wolf ne cesse de le dire depuis plusieurs années. Maintenant, c'est l'ULB qui le dit également. Mais on a également, complexité bruxelloise, un certain nombre d'acteurs communaux, évidemment, qui interviennent. Ce qu'on veut, simplement, exactement comme le MR le demande depuis plusieurs années et comme le MR vient de le déposer et de le faire en région wallonne via l'action de Pierre-Yves Géolet, nous souhaitons effectivement un guichet unique pour une ville-région qui répond à l'ensemble des demandes des entreprises. Moins de charges administratives, moins de pertes de temps, un relais direct. Et ça me paraît véritablement essentiel. Je ne sais pas si c'est la solution la plus sexy en tout cas, mais ce serait une solution en tout cas novatrice pour permettre à ces entreprises de ne pas perdre du temps, parce qu'un grand nombre de ces entreprises parfois se délaissent, ne souhaitent pas participer tout simplement à ces différents appels à projets, parce que ça prend un temps dingue quand on est un ou deux dans une petite PME de remplir toute cette paperasserie. Et ce guichet unique en plus sera enfin électronique. Enfin, on est au 21e siècle. Quand je vois ces entrepreneurs qui doivent remplir de la paperasserie, non, on pourra envoyer un email et on devrait y répondre évidemment, et ce sera tout sera centralisé. Donc un guichet unique et une simplification pour qu'il y ait moins de paperasse, comme vous dites, absolument, moins de bureaucratie. Mais le Small Business Act, c'était pas déjà ça? Alors le Small Business Act, c'est un peu ça. Donc il ne prévoit pas
une simplification à ce point-là, puisqu'il ne prévoit pas le lien avec les communes dans une ville-région. C'est important que la région s'organise avec les communes également, mais tout simplement, le gouvernement n'a pas mis en place ce Small Business Act. Hein. Ouais. On n'en est rien. On en est dans les interpellations pour nous dire qu'on va bientôt le faire. Sauf qu'on arrive à la fin d'une législature et que le ministre Gauzouin a le néant face à lui sur ce dossier-là. Alors, les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en France, le 17 novembre prochain, et peut-être chez nous aussi, ils ont décidé de bloquer le pays avec leur voiture. Une mauvaise humeur due à la baisse du pouvoir d'achat et notamment à la hausse des tarifs en matière de carburant. Comment est-ce que vous qualifieriez-vous ce mouvement ? Je vous propose trois manières de le qualifier. C'est d'abord, c'est un mouvement populiste noyauté par l'extrême droite. Deuxièmement, c'est un mouvement légitime et nécessaire. Troisièmement, c'est un mouvement anti-écologique. À mon avis, une grande partie anti-écologique. En même temps, si je comprends bien, parce que je ne fais pas partie du gouvernement français, mais si je comprends bien, la demande principale, c'est celui du pouvoir d'achat. On y répond ici par le gouvernement fédéral en faisant notamment cette réforme fiscale et ce shift-là. C'est-à-dire, on diminue la pression fiscale sur le travail, c'est ça la priorité. Et on reconnaît, notamment au niveau environnemental, qu'il faut avoir un coût vérité, donc il y a certaines choses qui doivent augmenter. On ne peut pas tout entendre. Moi, j'entends que tous les jours, des gens me disent « je souhaite un air plus sain ». Et je crois que c'est un droit comme bruxellois d'avoir un air plus sain. Pour participer à cet air plus sain, il faut prendre une série de mesures structurelles, d'ailleurs qui viennent d'être votées à l'unanimité, ici, presque l'unanimité, je pense, de mémoire, le PTB ne l'a pas voté, au Parlement bruxellois. D'ailleurs, résolution qui avait été calquée notamment sur les propositions écolo et MR. Et dans, évidemment, cet ensemble de mesures, on ne peut pas tout vouloir, on ne peut pas diminuer le kérosène, diminuer les taxes sur les carburants et en même temps avoir un air plus sain. Donc je crois que c'est probablement des manifestations du 20e siècle. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire pour les prochaines générations. – Surtout qu'à Bruxelles, en plus, les problèmes sont différents. – Bien sûr. – Il y a quand même des transports publics, même si on peut les améliorer, il y a des solutions. – Oui, mais je pense qu'il y a quand même des parallélismes qu'on peut faire, parce que si j'entends que certaines lignes, en tout cas, ne sont pas bien desservies chez eux en transport en commun, on doit bien reconnaître également qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui en région bruxelloise à la voiture, sur certains axes également. C'est la raison pour laquelle on demande et on souhaite avoir un débat le plus vite possible sur des financements, de nouveaux financements d'infrastructures, notamment par du privé et par du public, comme le métro, comme le tram. La meilleure réponse, évidemment, à la diminution de la présence de voitures en ville, c'est une offre de qualité. Et l'offre de qualité, c'est de la fréquence et c'est simplement aussi pouvoir jouir paisiblement des transports en commun. Merci David Weitzman. Demain, Michel Gueyère recevra Thibault Wengard. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée.